Regarde du sang, voilà. Regarde du, voilà. Regarde-moi. Le 27 juillet 2019, ces images ont suscité la colère et l'indignation chez les internautes et défenseurs des droits de l'homme au Mali. Il s'agit de 61 personnes qui cherchent désespérément refuge dans la ville de Djema. Elles viennent d'être chassées par leurs locataires sous la pression du chef de village de Djema après 9 longs mois de séjour. Ces membres de 8 familles sont originaires de Kainera, un village soniké situé dans la commune rurale de Djankunte Camara, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Djema. Révoltés contre les coutumes héritées de leurs ancêtres, ils ont quitté leur village depuis octobre 2018 pour échapper aux farouches représailles dirigées par les notables qui ne sont pas prêts d'en découdre avec les coutumes jugées esclavagistes. Chassés comme des malpropres de la ville de Djema, ces habitants de Kainera ont décidé de regagner la capitale malienne. Arrivés à Bamako le dimanche 28 juillet, ils se sont dirigés vers la Commission nationale des droits de l'homme. Aucune chance pour eux de trouver un interlocuteur. Ils ont aussitôt été renvoyés dans un espace vert à 200 mètres de la Commission nationale des droits de l'homme. Sur place, ceux qui refusent désormais le statut d'esclave racontent l'enfer qu'ils ont subi à Kainera. Angoni ko ante jonyan de ladro jonyan ngone an ko ante odela ako angolola ka sura o amugo bolo wai imolola ka fecha man sori ka mugo bolo meniko amandi e ne akilla abese ka tani tabolo mi make bo ko wa dugubla amese ka antoro dola o ye jitiganna ka sira kelende damma ambeta furaburu tige ka dam ka bawma ko o teke kuma la suruyana har bimmi an ka baga an ka falu nan ga sago ba ni ko o shit an fauta ya an bauta te ulle taro de ulle ta du ko le ulle ta fembe ah anyo be la je ka to e me u yanje jila ko parce que kulle ta e kolonye me forasi min ko ni me ko ko wa ko o robine an be an ga an bela de jelendo wori boko odla me u yanje o be la nyo be to e ya foro imina am ma seneke Tieni moso be salo, tieni moso fanga fema sene. Ambe sigira, anya samia ke kasigi. Amma seneke. Na maso jonyama, ante seneke. Anka na mafoyuma. Ni hari dome drome kele ni be sal asanike. Ande miso mbeta fo jangunte de. Kata sanike. Anka duguni jangunte. Kilo bi segi. Ababo, ibeta sanike bena. Âgé de 55 ans, Gouneri Diakité n'oubliera jamais ce jour où il a été copieusement battu par les jeunes du village sur la place publique alors qu'il venait répondre à une convocation du chef de village. Les cicatrices sont toujours visibles sur son corps. Ka kamalen duru lawli wuladani ala musa wuladani ala musa mbenga sokorla artome mala mbenga sokorla furage dron ngo mako salam alekum yo lamina akoko koko duguti ko ikana on kote basi ujora kangon jasro ye bugoni fenu mbellabe te pinen nana dron ne salam la ko ho o salamina ko nga sigi duguma falo ko sigira duguma bolongon ah Oui, comment il faut qu'on donc qu'on ait calon sur lui là. Faut qu'on ait qu'à faire quoi calon dedans. Faut qu'on ait qu'à faire quoi calon dedans. On peut pas citer. Beaucoup mal qu'on ait les calons de sur lui là. Ah oui, calon est ça. Parce que ne pas aller poser mais là. Pourquoi est-ce là? Ne s'il aime pas la drone ne nous voit pas là. Doit n'en a quand même une série. Quand même une boule est quand même la voix qu'elle m'a. Voilà, ne vous bolo. Il est ni chaud mina. Tu goûtes y Les femmes et les enfants n'ont pas été épargnés des tortures physiques et psychologiques des maîtres des lieux. Macha Damba se souvient encore des larmes chaudes de sa fille devant sa maison. Nere demoso. Et ani nkoroke demoso.
il furulen be duwin kono in fana kana sai an ka duma ni serai wamuga iba sara an ka demu sai yesa mi yake salo ite sai an ka duda ni tare ibe jo dudale ibe kasi be sagi. Après une nuit à la belle étoile en pleine ville de Bamako, loin des contrées qui les ont vues naître, les ressortissants de Kainera sont reçus par le président de la Commission nationale des droits de l'homme le 29 juillet en présence des commissaires. Un huissier de justice est invité pour recueillir les dépositions. Après plus d'une heure d'écoute, le président de la CNDH crie halte à l'esclavage au Mali et invite les autorités à prendre leurs responsabilités. L'esclavage n'est pas permis. Il est interdit par l'acte fondamental du pays, par toutes les conventions internationales souscrites par le Mali. Comment peut-on continuer à encourager cela au nom de quelle culture? Il faut que cela s'arrête. On est en train d'empêcher des Maliens de cultiver leurs champs parce qu'ils ont refusé le statut d'esclave. On est en train de les empêcher de prendre la terre pour réhabiliter leur maison en pleine période hivernale. C'est pour que les maisons s'écroulent sur eux. Ça, l'objectif, c'est de les tuer. Parce qu'ils ont tout simplement refusé les statuts d'esclaves. Donc, je pense qu'il est temps que les autorités prennent leurs responsabilités. On ne souhaiterait pas qu'un autre problème surgisse dans la région de Kaï, en plus de la crise qui sévit dans les régions de Mopti et Ségou. Dans leur réquisitoire à la Commission nationale des droits de l'homme, les déplacés pointent du doigt certains élus d'avoir encouragé la persécution de ceux qui refusent aujourd'hui le statut d'esclave dans la région de Kaï. Nous en appelons à la prise de conscience au niveau de ces régions que leurs ressortissants, que leurs élus reviennent à des meilleurs sentiments. Parce qu'apparemment, ce sont les élus qui sont en train de jeter de l'huile sur le feu pour encourager ces pratiques inadmissibles. Quand vous parlez des élus, vous parlez de qui? Bon, on nous a rapporté des noms. On nous a rapporté des noms, c'est des témoignages qu'on a recueillis. Et il y a certains députés. Pour le moment, j'étais les noms. Nous allons approfondir les investigations. Il y a des maires. Nous avons assisté à la séance d'écoute. Les élus accusés par les déplacés sont les députés Mahamadou Awagassama et Mohamed Tunkara, élus respectivement à Yelimane et Kita dans la région de Kaï. Le maire de la commune de Djangounté Kamara, commune dans laquelle est situé le village de Kainera, est aussi sur la liste des accusés. Le député de Kita dit que ces esclaves ont tort parce que pour lui, que la pratique est multiséculaire, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont changer ça. D'accord, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on doit croiser les bras? Il faut que ça commence un jour. Et c'est une lutte pacifique. Donc vraiment, ce député-là, je le comprends pas. Mahamadou Awagassama nous donne rendez-vous dans son chantier à Misabougou, en commune 6 du district de Bamako. Au début de l'entretien, il nie l'existence de l'esclavage dans la région de Kaï, surtout en milieu soniké. En moins de 5 minutes, Mahamadou Awagassama passe à l'AVE. Le député qui est à son 4e mandat consécutif à l'Assemblée nationale du Mali admet avoir lui-même des esclaves. Contrairement aux deux députés, les victimes de l'esclavage sembleraient avoir des preuves contre le maire de Djangounté Kamara. Dans cette vidéo tournée le 27 décembre 2018 lors d'un rassemblement à Kainera, l'édile encourage avec fierté
que les grands-parents et les parents des esclaves sont morts dans l'esclavage. Et ceux-ci ne doivent en aucun cas échapper à la tradition. Depuis son bureau, il justifie son discours. C'est que ni moi, attention, là, en tant que responsable, il faut les calmer. Il faut calmer les stratégies, il faut les calmer. Bon, ben, il faut faire. Bon, faire nous. Bon, chacun interprète ça de sa façon, quoi. Mais là, j'ai insisté sur ça. Et puis, j'ai dit que j'ai insisté sur ça. Et ça, c'est très clair aussi. Donc, quand on a un enfant, on a un enfant, on a un enfant, on a un enfant, on a un enfant. Donc, il y a une fois, il faut, nous, on a apologie de l'esclavage. Sinon, chez moi, c'est pas ça. Direction Kainera, village d'origine des déplacés. Tour à tour, nous visitons les maisons des esclaves qui ont fui les villages. Le deuxième fils du chef de village et le vice-président du bureau de la jeunesse sont nos guides. Ici, nous sommes chez Gouneri Djakité, celui que nous avons rencontré à Bamako. La porte de la maison et celle du grenier sont fermées depuis 9 mois. Dans la toilette, les herbes sauvages ont abondamment poussé. Les ustensiles dans une cuisine délabrée et sans porte sont réduits en déchets par le vent et la pluie. Sa cour est transformée en un immense champ de maïs. À quelques dizaines de mètres, un bâtiment de deux niveaux. C'est la plus belle maison du village. Dans la cour, un puits à grand diamètre, le seul dont les esclaves révolutionnaires se servaient pendant la période de l'embargo. C'est la maison de Dama Sissoko vivant en France. Ses deux femmes et ses enfants fuyant le village ont fermé la porte à clé. Les guides tiennent à faire une déclaration ici. Au vestibule de la chefferie, une trentaine de chefs de famille, parmi lesquels des esclaves soumis, sont mobilisés. Le troisième fils du chef de village, Sema Traoré, répond au nom de son père, affaibli par l'âge et une santé très précaire. Âgé de 60 ans, l'ancien aventurier est catégorique. Kainera n'est pas un village esclavagiste. Ils se disent esclaves, c'est eux-mêmes qui se disent esclaves. Comme je vous ai dit, ici à Kainera, tout le monde est libre de ses mouvements. Ceux qui se sont dit esclaves, ils travaillent pour eux-mêmes. Leurs maisons sont pour eux-mêmes. Leurs femmes sont pour eux-mêmes, leurs enfants et tous leurs biens. Même s'ils vont en aventure, s'ils gagnent des millions, ils ne rendent pas compte à personne ici à Kainera. Pour lui, les pratiques désapprouvées sont des pratiques coutumières qui profitent à tout le monde. S'il y a baptême chez nous, on se réunit et on fait toutes ces manifestations-là ensemble. Si ça est chez eux, s'ils ont égorgé un mouton ou bien une vache, c'est nous qui faisons tout le travail. La même chose chez nous. C'est ce qui se passe chez nous, c'est ça. Entre ce qui est entre nous, c'est ça. Donc, quelle est l'importance de cette... L'importance de cette coutume, c'est nous réunir. À Kainera, les populations acceptent le retour des déplacés. Mais tout est négociable sauf l'abandon des coutumes jugées esclavagistes qui, selon la chefferie, consolident la cohésion dans son village, malgré le trouble qui dure depuis plus d'une année. Et celui qui veut respecter ces coutumes-là, nous sommes tous ensemble. Et celui qui ne veut pas respecter ces coutumes-là, vraiment, on veut pas vivre, on peut pas vivre avec toi dans le village. Des chefs de famille esclaves qui se plaisent dans la pratique des coutumes soutiennent les propos du maître des lieux. Mimba mbolea kashigidia ni denkundi be mbolo foro no nimbena ambe shigidia nyon mbolo ne ka mo shenu no lo ka mo so ambe be tobil ke nyon fe ni janan ya fananana abo chegola me ka fo jonya ma fo ateyro verere
mais en Kainéraya, à Tamboléa. Depuis le début de la crise, les esclaves ont saisi la justice. Maître Modibo Sylla est l'un de leurs avocats. Il a déposé des plaintes depuis 8 mois, mais aucune suite n'y a été donnée jusqu'à ce jour. Et sur le sujet, j'ai dit que je suis inquiet. Inquiet parce que j'ai introduit des procédures depuis janvier 2019. J'ai déposé des plaintes au niveau de la justice de Djéma contre des personnes nommément désignées pour des faits d'agression, violence sur certaines personnes entre guillemets appelées esclaves. À la date d'aujourd'hui, nous sommes en août. Malgré que j'ai personnellement effectué le déplacement jusqu'à Djéma pour aller à la gendarmerie, assister à l'audition des plaignants qui sont mes clients, jusqu'à la date d'aujourd'hui, je vous dis, le PV n'est pas encore fait. Le PV n'est pas fait. L'avocat accuse le major Ousmane Makalou, commandant de brigade de Djéma, d'être à la solde des maîtres d'esclaves dans le cercle. Le CB n'a pas daigné faire venir devant lui les auteurs des infractions pour les écouter. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais de notre côté, nous doutons de lui. Au départ, il nous a dit qu'il n'avait pas les moyens matériels et humains pour faire le travail. Mais par la suite, nous avons compris que ce n'était pas question de moyens, ni matériel, ni humain. Mais c'est question de volonté. Il n'avait pas la volonté de le faire. Très remonté contre le patron de la gendarmerie de Djéma, Maître Modibo Sylla et son confrère Amadou Tchaoulen Diara conseillent d'autres esclaves dans le cercle, manifestent leur intention de porter plainte contre le commandant de brigade du cercle. C'est pas ça le problème. Le commandant de la brigade mise en cause, Ousmane Makalou, n'était pas sa première déviance, qui est connu, reconnu, réputé pour de tels actes, à titre justificatif, à la date du 15 avril 2018, suite à une plainte pour menace de mort de Ahmed Koulibaly, qui lui est parvenu par soi transmis. Il a simplement refusé d'exécuter les instructions contenues dans le dit document, c'est-à-dire ouvrir une enquête contre les agresseurs de ces derniers. Curieusement, a poursuivi celui-ci, semble-t-il, pour simulation d'infraction et l'a placé à la garde à vue pendant 48 heures. Fait foi la copie du procès-verbal de synthèse d'enquête primaire. Il apparaît ainsi que garder à vue la victime d'une infraction et ne pas inquiéter ses auteurs. L'acception du CB Ousmane Makalou, qui se complaît ainsi à violer allègrement les dispositions de notre code pénal et notre code de procédure pénale, qui doit être banni à jamais de la police judiciaire, même du corps de la gendarmerie, pour ne pas être le grain pourri qui va corrompre l'ensemble au détriment des victimes meurtries qui doivent conjuguer avec les attitudes railleuses de leurs assaillants, pour la simple raison que le CB Ousmane Makalou leur a promis l'impunité, faisant du coup Djéma un royaume impur, une zone de non-droit où règne le pouvoir du plus nanti. Ousmane Makalou ayant à dessein confondu le rôle de l'officier de police judiciaire à celui de l'officier ministériel qui procède à la vente aux enchères publiques et aux plus offrants et derniers enchères. Un défi à votre question. Donc ça c'est la plainte adressée au procureur général. Au palais de justice de Djéma, une source proche du dossier confirme le dépôt de 9 plaintes dans cette affaire. Elle atteste que toutes les plaintes ont fait l'objet d'un soi transmis à la gendarmerie pour mener des enquêtes,
interpeller les suspects et les conduire devant le juge. Selon la même source, sur les 9 plaintes, seule une est revenue au tribunal avec un procès verbal de mise en cause, mais regrette que les suspects ne soient pas conduits. La même source confirme que le juge a retourné le procès verbal à la gendarmerie pour que les personnes mises en cause soient conduites à son niveau. Personne n'a été conduite à ce jour, s'indigne notre source. Elle affirme que le commandant de brigade a toujours soutenu qu'il n'a pas les moyens pour interpeller les personnes mises en cause. Voici le commandant en question, Major Ousmane Makalou, chargé de la brigade territoriale de Djema. Nous l'avons sollicité en vain pour une interview. Selon une source judiciaire au tribunal de Djema, le commandant de brigade exécuterait les instructions du gouvernement qui semble adopter la même conduite partout où le problème de l'esclavage se pose dans la région de Kaye. C'est-à-dire pas d'interpellation sauf les cas d'extrême violence. L'exécutif aurait opté pour les mécanismes traditionnels de résolution de crise dans ces dossiers brûlants. Une démarche jugée efficace par ce professeur de sociologie à l'université de Bamako. Il faut vite trouver, n'est-ce pas, une forme de solution, mais qui ne proviennent pas des pouvoirs publics. Parce que comme vous le savez, les pouvoirs publics sont décriés partout. Les gens ont un sentiment d'injustice partout. Il faut trouver dans les ressorts culturels même des moyens pour résorber ces tensions-là. Et il faut le faire vite parce que il ne faut pas penser que l'insécurité c'est seulement là où il y a les foyers de tension. Il faut maintenant parvenir, les formes de violence qu'on retrouve un peu partout, il faut parvenir à les contenir. Pour le cas de l'esclavage, dans la zone de Yélimané, il y a eu beaucoup de tensions par rapport à ça. Et il ne faut pas attendre que l'État vienne. Il faut que les populations elles-mêmes, à travers leurs structures, il y a des instruments de résolution traditionnelle de conflits. Ça existe partout. Donc on parvienne à gérer ces conflits-là pour que ça ne puisse pas avoir certaines proportions. Contrairement à lui, les défenseurs des droits de l'homme insistent sur l'application de la loi pour mettre fin à la pratique de l'esclavage. Il faut tout simplement le courage des magistrats pour appliquer les textes de loi pour mettre fin à ce genre de comportement. Donc nous pensons que le Mali a largement la possibilité, a largement les moyens d'y mettre fin. Et nous comptons sur nos autorités politiques pour y mettre fin. Parce que nous ne voulons pas créer et notre brasier à l'ouest de notre pays. Dans le code pénal du Mali, l'esclavage est partie intégrante des crimes contre l'humanité et est puni de mort. Si le président de l'Association malienne des droits de l'homme fait confiance à l'arsenal juridique du Mali pour mettre fin à la pratique de l'esclavage, tel n'est pas le cas pour le président d'honneur de TEMED, une association qui se bat depuis 2006 contre l'esclavage au Mali. La plupart des gens qui se plaignent, qui portent leurs affaires d'esclavage devant le juge malien, personne du midi n'a jamais eu cette satisfaction. Parce que ceux qui ont le courage de juger cette question-là, qui rendent la justice, la rendent de façon très insuffisante. Vous êtes battu, vous êtes humilié, vous êtes chassé parce que vous êtes esclave. Le juge malien ne s'intéresse qu'aux aspects suivants: privation de liberté, torture, coups et blessures. Mais l'origine même de ces violations des droits humains n'est pas jugée, c'est-à-dire l'esclavage. Comme en Mauritanie et au Niger, le membre fondateur de l'association TEMED souhaite une loi spécifique contre l'esclavage au Mali. D'ailleurs, son association a proposé et obtenu auprès du ministère de la Justice l'élaboration d'un avant-projet de loi depuis 2014. Et un avant-projet de loi a été déposé sur le bureau du Conseil des ministres le 1er juin 2015, mais depuis, il y a eu un blackout. C'est-à-dire qu'au plus haut sommet de l'État, on est conscient de ce vide juridique-là, qu'il faut vraiment corriger.
Maître Mohamed Ali Bacheli était ministre de la Justice au moment de l'élaboration de l'avant-projet de loi. Il se souvient encore des témoignages émouvants des victimes de l'esclavage qui l'ont poussé à entreprendre le renforcement de l'arsenal juridique du Mali. Quand Temet est venu me voir en tant que ministre de la Justice, ils ont exprimé une préoccupation qui allait au-delà de la lutte contre le seul esclavage, mais de la lutte contre les conséquences inacceptables de l'esclavage aussi. Quelles étaient ces conséquences? Ils m'ont dit, on a déposé des plaintes à la justice dans la région de Tombouctou, de Gao, peut-être même de Mopti aussi, où nos maîtres, disposant de nous à leur guise, violent nos femmes. Donc on parle déjà de viol. Même quand tu es avec ton mari, c'est ton mari qui sort, le maître entre, il couche avec la femme. Les enfants qui naissent, le maître les prend comme sa chose, il les donne en cadeau de mariage à des alliés au Niger, en Libye, au Tchad. Des enfants nés de parents maliens ont été offerts en cadeau de mariage là-bas, dans les alliances ethniques. Une femme faisait partie des plaignantes qui avaient réussi à fuir son maître. Elle avait ainsi 4 enfants qu'elle avait mis au monde, dont elle ne savait même pas où ils se trouvaient. Le maître a pris l'enfant, il l'a donné, en dehors du Mali. Il ne te dit même pas à qui il l'a donné. Et c'était des femmes en désespoir parce que elles étaient blessées dans leur sentiment d'être des mères. Elles n'arrivaient pas à être des mères comme tout le monde, à voir tout simplement leur enfant. Et dans ce pays-là, ces plaintes étaient là-bas, il y en avait à peu près 52. Et aucun juge n'acceptait de les juger. On disait aux juges, c'est comme ça que ça marche ici, il ne faut pas toucher à ces dossiers. Et vraiment, en tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant que ministre, en tant qu'autorité, je venais d'apprendre ça. Et à partir de là, j'ai dit non. J'ai une responsabilité à prendre. Il faut combattre ça. Donc, toutes ces formes d'atteinte à l'intégrité physique et morale des hommes et des femmes à qui l'on prêtait un statut d'esclave et au nom duquel statut on les soumettait à l'injustifiable et à l'ignominie la plus totale. J'ai dit, il faut que l'État quand même prenne ses responsabilités. Le texte élaboré par le cabinet ministériel, la direction des affaires pénales et l'association TEMED est validé par le comité interministériel, le collège des secrétaires généraux des ministères et le conseil de cabinet qui réunit tous les ministres autour du premier ministre. Mais en conseil des ministres, Mohamed Ali Bacheli, qui avait changé de ministère, sera surpris comme tous ses collègues par la réaction du premier ministre d'alors, Modibo Keïta. Le texte arrivé en conseil des ministres, à mon grand étonnement, le premier ministre a demandé que le texte soit retiré de l'ordre du jour du conseil. Il a eu à dire en ce moment, mais il y a un texte qui punit l'esclavage, comme si vraiment il le découvrait. Et d'ajouter que voilà, si on adopte ce texte-là, si les gens entendent que c'est maintenant seulement que le Mali adopte un texte pour lutter contre l'esclavage, cela suppose d'abord que chez nous il y a l'esclavage, et ça c'est très mauvais de le faire savoir. Et de deux, ça veut dire que jusqu'ici on n'avait rien fait contre l'esclavage, ça c'est encore pire. Donc vraiment, il vaut mieux que la communauté internationale, il a dit, ne comprenne pas mal notre démarche et essaye à partir de là de dire, ah tiens, au Mali, donc l'esclavage existe,
Et il n'y avait même pas de texte pour le réprimer. C'est seulement en 2015 qu'on l'a adopté. Alors voilà, le raisonnement qu'il a eu à développer en l'endroit de M. le Président de la République, parce que c'était curieux, dans la mesure où en conseil de cabinet, tous les ministres étaient autour du Premier ministre et le texte est passé. Et en conseil de ministre, c'est le même Premier ministre qui dit « Ah, ce texte, il n'est pas opportun, il n'est pas bon, donc il faut le retirer. » D'abord, les ministres étaient tous étonnés. Le président a dit « Bon, monsieur le Premier ministre, si vous estimez que ça ne doit pas passer, on le retire. » Donc, il n'y a pas eu de débat. Cette crise sociale fait craindre d'un éventuel basculement de la région de Kayes dans le cycle infernal de l'extrémisme violent. La première région administrative du Mali était jusque-là restée à l'abri des attaques armées jusqu'au 9 juillet où le camp de la garde nationale à Djoumara, à une quarantaine de kilomètres de la ville de Djema, a été visé par des hommes armés. Beaucoup de personnes craignent que les victimes de la pratique de l'esclavage ne soient instrumentalisées par les groupes terroristes qui sèment la terreur dans la région voisine de Koulikoro et dans le centre et nord du Mali. Si vous commencez à marginaliser des gens, si ces gens-là ne se sentent pas comme Maliens et s'ils sont considérés comme étant des sous-hommes, ce serait un terreau facile pour ceux qui sont en train de lutter contre la paix au Mali, de venir s'accaparer de ces gens qui seront pour eux-mêmes des laissés pour compte, des frustrés et qui n'ont d'autre moyen que de choisir ces chemins-là pour parvenir à affirmer leur personnalité. C'est une de nos inquiétudes. Aujourd'hui, notre pays traverse une période très difficile. Nous sommes très fragiles. Nous avons des terroristes dans notre pays qui exploitent les faiblesses de notre système, la pauvreté, la misère, les spoliations de droits. Et il n'est pas exclu que si on n'arrête pas cette situation, elle peut être exploitée par des mauvaises personnes. Hein. Et ces gens qui acceptent de tout abandonner derrière eux, tout abandonner, pour chercher la liberté, il faut faire attention. Ils peuvent être exploités par d'autres types d'individus. Que Dieu nous en garde. Nous ne souhaitons pas que ce qui se passe, ce qui est passé au nord, ou ce qui se passe au centre aujourd'hui, vienne dans le sud du Mali. Nous sommes le 4 août. Dans sa logique de résoudre le problème de Kayenera en écartant toute procédure judiciaire, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, envoie des émissaires à Djema pour négocier avec les notabilités sur le retour des déplacés. La mission est composée des agents du ministère de la Justice, les députés du Cercle et des commissaires à la Commission nationale des droits de l'homme. Plus d'une quarantaine de chefs de village, parmi lesquels celui de Kayenera, sont invités. La rencontre se tient à la préfecture de Djema. Les journalistes ne sont pas les bienvenus. Les caméras et même les téléphones portables sont formellement interdits dans la salle. À la porte, deux agents de la garde nationale sont mobilisés pour veiller à l'application stricte des consignes de sécurité. Commence aussitôt une fouille méticuleuse des invités pour que personne ne puisse accéder à la salle avec un objet compromettant susceptible d'enregistrer les débats. Après cette ère de huis clos sans la présence effective d'au moins une victime, les émissaires et les notables du cercle se mettent d'accord sur le retour des déplacés de Kayenera à condition qu'ils se soumettent aux traditions désavouées par ceux-ci. Le même soir, les émissaires du ministère de la Justice se rendent à Kayenera pour informer la population des conclusions de la rencontre de Djema. Sur place, le ministre de la Justice, Maître Malik Koulibaly, et le président de la Commission nationale des droits de l'homme sont informés. Le voyage des déplacés se prépare. Nous sommes le 5 août. Il est 10 heures. Les déplacés quittent Bamako pour Djema à bord de deux cars. Ils sont plus d'une centaine. Un car tombe en panne en cours de route. Ils sont obligés de monter tous dans l'autre car pour Djema. Le 6 août à 2 heures du matin,
Le car s'immobilise devant la préfecture de la ville. Le préfet, surpris par le surnombre, procède immédiatement à un recensement des ressortissants de Kainera. Les 61 personnes des 8 familles de Kainera seront identifiées. C'est la déception pour les autres qui sont aussi des victimes d'esclavage du cercle voisin de Nioro du Sahel. Après cette première surprise désagréable, les déplacés de Kainera ne voulant tomber dans un piège veulent savoir maintenant les tenants et les aboutissants de l'accord convenu entre les notabilités de leur village et les émissaires du gouvernement. Le préfet invite leurs représentants pour faire le point. Les autres attendent impatiemment la fin du huis clos. Le soleil se lève sur Djema, accompagné des averses. Une journée heureuse pour une ville en manque de pluie depuis des semaines. Mais le début d'un calvaire pour les déplacés de Kainera. Leurs représentants venaient d'être informés par le préfet et le chef de la mission du ministère de la Justice de la condition de leur retour chez eux. Le verdict est sans appel et la consigne est claire, tout sauf l'abandon des coutumes du village, les mêmes qui sont à la base de la discorde. Ah, Kainera Vitali Mabo. Mounyake Vitali Mabo, Okunya Fonyeko, Anidra de Lomu, Mana Mako, Yukonan Sera Djemaya, Anni. Le préfet ni Gambana Moro, ni ministre ya munun délégué, ambesigi kakuma. Anna na ya nyasro ote. Préfet ni dubutigu de kumana, uma foi fone, uma kuma sifone, kafodro ko kele bana, sans kele ambe kele la. À 9h, le préfet, le commandant de la brigade de la gendarmerie, le chef de la protection civile et le colonel-major à la retraite Adama Kamisoko, chef de la délégation du ministère de la Justice, se réunissent dans le bureau du préfet. À 10h, malgré le souhait des déplacés de retourner à Bamako, les autorités locales et le chef de la mission les invitent à monter dans le car pour Kainera. Tonton Djakité s'oppose et ordonne aux autres de ne pas monter. Sur instruction du chef de la mission, l'aile dure des déplacés sera arrêtée par les gendarmes. C'est le commandant de brigade qui le tire par la ceinture jusque dans le pick-up avec le soutien d'un de ses éléments. Sous le choc de l'interpellation manu militari de Tonton Djakité, les 60 autres refusent de monter dans le car. Ils quittent aussitôt la préfecture sous la pluie fine et froide avec les enfants et les personnes âgées. En petit groupe, ils se dirigent vers la route de Bamako à plus de 2 km de la préfecture. Sans aucun moyen pour regagner la capitale,
certains font le choix du pur plutôt que d'envisager un retour suicidaire à Kainera. C'est le cas de cette maman qui, avec ses trois enfants sous la pluie, demande désespérément le frais de transport à ses proches par téléphone. Ah, ouais, on est à un boulot de ambitas gotrondala. Naya ouais, sur nama ouais, sur du fana nasa rayromi a oya banende. Ah, comme quoi, ouais. Moi, mimba un boulot, ouais, worry be au de boulot. Ina ni worry be tara. Amba ke chokodi. Moi, t'as un boulot nag à quel ente. Au bord de la route nationale 3, les déplacés cherchent désespérément un moyen pour retourner dans la capitale malienne située à plus de 300 km. Amé gudolala amba fe kasagi katabu mako parce que jamfa min kerana ya jam do ba nyemi ka juguni ninye. Na ndara kainera ni amfle jema de. Abe ko mi jeba famo mu nyambla kana. Abe ko mi jamfa kera kola. Oh na sagira kata kainera ni obese ka juguya ninni. Donc amfle romina haranga passe tambolo ambita mako juguni. Sur les 60 personnes, une quarantaine se sont dispersées dans la ville de Djema. Dans l'après-midi, les autres sont convaincus par les autorités de monter dans le car pour Kainera. Ils sont accompagnés par le préfet, un membre du bureau de la société civile de Djema et le maire de Djangounte Kamara. Après 47 km de route, nous voilà à Kainera. C'est les retrouvailles après 9 mois de nostalgie. Tout le village est mobilisé pour l'accueil. La cérémonie se tient dans la cour de la mosquée. Remerciant les autorités pour leur implication dans la démarche ayant abouti au retour des siens, le chef de village insiste sur le respect des traditions de son village. Ce que nous avons comme souci dans ce village-là, je crois que nous aimerons que nos coutumes soient une continuité. Les coutumes ne changeront pas et nous souhaitons aussi que nos frères qui sont venus actuellement acceptent ces coutumes-là avec nous. Et ceux qui n'iront pas accepter? Bon, ça, on le verra davantage. Ceux qui ne vont pas accepter ces coutumes-là, davantage, on va essayer de parler ça aussi. Le préfet et le maire de la commune expriment leur joie, même si tous les déplacés n'ont pas effectué le voyage pour faute d'un accord consensuel. Vous avez pu voir l'excellente chaîne de solidarité qui a abouti à ce résultat spectaculaire. Il ne reste qu'à les consolider et de façon très forte. Et nous souhaitons que cet exemple puisse vraiment faire tache d'huile. Ces temps d'absence, de séparation entre parents, je crois que ça a permis à chacun de mesurer les conséquences vécues et vraiment, ça, je crois que chacun y a tiré sa leçon. Et en tirant la leçon, je crois qu'on ne peut qu'aller que de façon constructive pour la vie commune. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour très heureux pour moi parce que la crise sociale qui prévalait à Kainera, que les gens ont qualifié de l'esclavage à tort. Bon, Dieu faisant bien les choses, les déplacés de Kainera qui étaient partis à Bomoko, aujourd'hui sont de retour. Sur les 20 déplacés qui ont décidé de rentrer chez eux, seuls 10 sont restés à Kainera. Les autres sont retournés dans le même car. Parmi ceux qui sont restés, Famukuri Sissoko, sa mère, sa marate et ses frères. Leur porte s'ouvre pour la première fois depuis 9 mois. À l'intérieur, les affaires sont couvertes de poussière. Les membres de la famille Sissoko restent, mais avec la peur au ventre. Ah, ne connaissez que la cannabis, ne connaissez pas faire quatre. Ne pas faire un gars minant mumbe, un bas faire le kabonga boy. Maintenant, il y a un cigare qu'on est mandi, ne connais. Eh, quand il y a quoi, il y a un homme de mon mort.
ubese ka fo ka dia onye la ngona utara be ube femiki onyere de bodo siranendo we an siranende bom bishini koni amba laye ka boya shini amba laye ka boya. Si les autorités et les notabilités se sont accordées sur le respect des traditions du village, les épouses Sissoko ne veulent plus faire la corvée lors des événements sociaux chez les nobles. Il y a quelques années, personne ne parlait de l'esclavage dans la région de Kaï. Les dénonciations et les combats contre la pratique s'accentuaient dans le nord et certaines localités du centre du Mali. La discorde entre les communautés dans la région de Kaï remonte à la création d'une association par les expatriés de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et la Mauritanie en 2017 à Banjul, en Gambie, contre l'esclavage. Au Mali, la section de l'association s'appelle Gambana, un mot soniké qui veut dire « nous sommes égaux ». Ses responsables résidents au Mali sont pratiquement tous des anciens émigrés comme Marabata Diarra qui, après 32 ans en France, se met définitivement à la disposition de l'association, d'où son retour au Berkaï depuis 2018. Nous, on ne travaille jamais pour personne déjà. Mais ce que nous pousse à là-dessus, c'est qu'il y a certains trucs que nous ne voulons pas. Par exemple, si moi, mon fils, veut se marier avec un enfant, soi-disant noble, ils vont dire non, c'est le fils de l'esclave, ils ne vont jamais faire le mariage. Deux, si jamais il y a un décès, le deuil d'un esclave, c'est 2 mois et demi. Le deuil d'un noble, c'est 4 mois et 10 jours. Alors, non. Nous avons dit Gambana, on a créé Gambana. Gambana, ça veut dire forcément, on est tous ensemble. C'est le mot qui a touché tout le milieu sonique, qui ne veulent plus entendre, qui disent qu'on n'est pas la même chose. Or que nous, on ne cherche pas à être l'imam, on ne cherche pas d'être chef de village, on ne cherche rien, on a dit qu'on est tous égaux. Comme la constitution malienne dit, aucun malien n'est au-dessus de l'autre. Marabata Diarra et ses camarades sont partout où les esclaves sont en difficulté. Ils étaient là à l'espace vert où les déplacés de Kainera ont passé leur première nuit à Bamako. Ils ont assisté à leur audition à la Commission nationale des droits de l'homme. Les voici au carrefour des Diamants le 6 août, jour de retour des déplacés de Kainera. À chaque occasion, des mots durs sont tenus contre les notables. L'esclavage actuellement et n'a rien à voir avec l'esclavage d'avant. Parce qu'aucun de nos membres qui se prétendent de dire qu'ils sont les maîtres d'après, qui n'ont jamais fait le djihad. Or, l'esclavage, ça vient du djihad. Dans le milieu soninké, il n'y a aucun soninké qui a fait le djihad. Alors, l'esclavage qui est là, c'est dû à la pauvreté ou au vol des enfants pour les traiter comme des esclaves. Les membres de l'association sont accusés d'être à l'origine du problème social qui prévaut dans la région de Kaï. Contrairement à l'association TEMED qui se bat depuis 2006 auprès des autorités et maîtres d'esclaves pour la fin de la pratique, Gambana a adopté une méthode radicale pour rompre les liens de subordination entre les notables et les esclaves. Depuis la France ou d'autres pays occidentaux, il invite les chefs de famille de leur statut à ne plus se soumettre aux coutumes. À Kainera, Tcheblin Koulibaly, 74 ans, a été contacté, mais n'a pas voulu suivre le mouvement. Ani forum besiki kat kuma ke obi ani forum besiki kat keleke no te nete sika kele wulide bani ne bado ni mbela ba chugo mi ne bodo na shuru ni ne kun fara kero uchora otma ne besaka ni ndayele nyama mfana tara yor lai munte yanye. Tchabilin, ses 3 femmes et ses enfants se plaisent dans leur statut d'esclave. Bora junya rom fa jo ba jo
ere jonya le tsaka boro nu wa ka tsara be fa bito fe nu wa ka le dola misle do nu wa ka si dola misle dole be hal bi ambe jonya ko na akadanye eh ne ma fe ore jonya ko na koi jonya ko mbambolo chukomi even take ufana bi take ode bambolo ya me ka foko eh folo tab mbe chukomi korle o tambolo ya. Les responsables de l'association et les adhérents offensent les notables sur les réseaux sociaux. L'avocat des familles fondatrices de la région de Kayes affirme avoir des centaines de messages vocaux comportant des injures contre ses clients. Ils ont mis en place des individus qui, comme je l'ai dit, sont des demi-lettrés. Allez, nomme porte-parole numéro 1, numéro 2 de Gambana, numéro 10, numéro 20. Qui, de chacun derrière son clavier, dit ce qu'il veut. Il y en a qui se font appeler lion blessé, d'autres qui se font appeler tel, et qui se permettent d'insulter les familles fondatrices des différentes localités de Kayes. C'est parce qu'il y a des insultes sur WhatsApp qu'il y a une réaction. Mais je dis que nous n'avons rien contre personne. On n'a pas l'intention de perpétuer des traditions déjà vieilles, mais déjà désuètes. Non. Près de 2000 personnes de statut esclave de la région de Kayes vivent toujours en exil selon un rapport de l'association TEMED qui date de juillet 2019. Les agressions se poursuivent toujours contre les esclaves. C'est le cas de cet homme malmené et ligoté en public le 17 septembre 2019 dans le village de Krémi, cercle de Yélémané. Gambanade.